Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti dans les affaires d'information. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le journal du temps journée. N'actualité à l'occasion 53e conférence lundi la presse, ministère communication recevoir lundi 20 août la directeur général Société Nationale PAC Industriel Bernard Chetini. Dans l'occasion, directeur général SONAPI a parlé sous mission SONAPI, activité li réalisée à perspective. Nous invitons à suivre un reportage avec Rachel Sefort et puis Laurent Darly Jean-Jacques. Fait promotion pour création d'emploi, c'est principale mission Société Nationale PAC Industriel SONAPI, cap géré PAC Industriel Caracol Lapic et PAC Industriel Métropolitain PIM. Dans cadre mission ça, responsable SONAPI yo ba tête yo objectif non seulement pour créer nouvel espace industriel qui répond à norme international yo pour faciliter investissement dans pays ya, mais tout pour diversifier investissement yo. Nous avons investissement de près de 246 millions de dollars déjà qui fait. Et nous avons une balance de 43 millions. C'est pour me dire qu'investissement, ça, ce sont des dons que vous avez. C'est la Bible qui baille, yo, et qui ont parti tout investi par USAID, lui-même qui fait centrale électrique, fameuse centrale Enrica, centrale Caracol, l'agent habituel. Nous avons 190 000 mètres carrés de construit. Nous avons 80 hectares de terre sur 252 qui paraît déjà et disponible à exploiter. Parc industriel, ça, tel que nous avons venu à 59 hectares, qu'on y allait à peu près à plus de 66 hectares, parce qu'on paquet de propriétés dans la zone, et ces propriétés passent à la priorité, donc nous récupérons. Actuellement, et je suis capable de dire, en 20 années à commencer, nous avons 53 bâtiments qui étaient variés entre 1700 et 3250 mètres carrés. Et nous avons des nouveaux bâtiments qu'on y a, attendez bien différence, hein, nous sortis de 3250 mètres carrés, nous tombons à 13 125 mètres carrés. Selon le directeur général SONAPI, Bernard Chetini, il y a une augmentation dans les affaires création d'emplois dans deux PACIO. Puis loin, il explique qu'il y a un travail sur un projet d'expansion qui vise à développer la capacité SONAPI dans l'infrastructure, attirer maximum investisseurs et puis créer 10 000 jobs d'ici fin année 2019. Là. Et l'expansion de Kumbanel, c'est au niveau de PIM et au niveau de PIC. Parce que PIC, tout, il y a 43 millions de dollars qui étaient la main. Et bid cap décaissé, supposément d'accord, mais c'est décaissé à l'ISA, et qui a bien, c'est UTE cap géré comme ça pour les constructions. Donc nous sommes capables d'avancer tout pour nous capables de créer des emplois additionnels au niveau de parc industriel Caracol. Nous tenons à faire remarquer que yon gren investisseur qui est déjà Caracol, qui gagne sous 14 000 ans, il gagne 12 000 jobs pour lui, il promet pour d'ici fin 2020, il va 20 000 emplois en l'air seulement. De l'autre côté, le directeur général l'a fait qu'on ait diverses infrastructures qui sont disponibles dans le parc industriel Caracol, comme usine électrique, usine production de l'eau, station traitement de l'eau usée. Et l'autre service, l'idée qui est disponible dans tous deux PACIO, service ambulancier, douanier, sécurité. Le directeur Chetini précise qu'il y a un travail qu'a fait ensemble avec l'autre institution pour améliorer les conditions de travail ouvrier. Quand il y a un point de vue côté au FATMA et au NAJANDI, je suis capable de dire qu'il y a 2-3 mois de ça, exactement. Une campagne qui est lancée, côté que nous-mêmes, en tant que responsables et SONAPI, nous te mettons ensemble avec le ministère des Affaires sociales, directeur au FATMA, directeur au NATO, je suis capable de répondre immédiatement. Je ne sais pas si ça te prend 2 ou 3 jours pour te faire une réponse. Et je te vois, et au niveau PIM et au niveau PIC, des agents, surtout, que tout le monde a un code médical. Et je suis capable de dire que FATMA, et je remercie tout pour ça, l'a fait. Au niveau de PIC, particulièrement, et l'imam de mon espace côté pour le construire, ça relève en clinique médicale. Il va le construire en clinique qui est tout ça là-dedans, qui est capable d'aider mon au niveau de PAC là directement. Construire un site internet qui a bien un site PIMAC-PIC, renforcer le service sécurité, aménager un sous-commissariat pour appuyer PIM, construire un centre commercial respectif responsable son appui. Merci Rachel Agdarli. Délégation qui t'a représenté Haïti dans la 12e édition concours International Health Science Olympiade SO 2018 là, dans le pays Thaïlande, retourné dans le pays le week-end passé. Dans le cadre du concours, élève collège 4 Pressoirio qui t'a représenté Haïti, remporté des médailles bronze avec première place. Ministre éducation nationale démissionnaire Pierre Josué Agenor Cadet qui t'a accueilli dans l'aéroport international. National Toussaint Louverture montrer importance et nécessité pour encadrer géniaux pour continuer à représenter pays comme ça doit. Nous avons suivi un reportage avec Falan Delphin et puis Hervé Pierre.
Concours international, ça qui basé sur l'interaction entre biosphère, atmosphère, hydrosphère et lithosphère, qui est réalisé en essai dans la ville Kanchanaburi, pays Thaïlande, sorti 8 pour arriver 17 août 2018 là. Jennifer Vanessa Constant et Cédric Abby Garcia, bien aimé, c'est nos deux jeunes élèves dans le collège 4 Pressoir qui remportent ensemble première place dans l'épreuve recherche documentaire Health System Project et investigation souterrain International Team Field Investigation. Pour directeur collège 4 Pressoir, Victoire Jeune Sayo, dans le concours géosciences internationales, c'est une fierté pour l'école là et le pays d'Haïti. Guy Etienne, ouais, il est nécessaire pour qu'il y ait plus d'écoles de qualité dans le pays qui pour bâtir une bonne éducation. Nous allons recevoir une invitation pour participer à un sommet également de géosciences en Inde. Et là, nous allons pouvoir y participer. Là, maintenant, je profite pour dire aussi que nous avons été approchés par les organisateurs de PISA. PISA, c'est l'un des tests les plus prestigieux du monde pour des enfants de 15 ans. Et nous allons aussi préparer nos jeunes pour qu'ils participent à ces compétitions, à la compétition de PISA. Ce qu'on veut montrer, c'est que nos jeunes haïtiens sont capables de se mesurer aux jeunes du monde entier. Expérience ça, c'était occasion pour Cédric et Vanessa contrer avec 250 jeunes qui sont dans 40 autres pays, partager connaissances et puis faire échange culturel. Deux jeunes 16 l'année ça yo promettent yo pral travail pour préparer pour remporter plus prix dans participation yo dans prochaine édition. On est fiers, c'est vrai qu'on a quand même pu faire quelque chose et aussi on a échangé, on a appris beaucoup d'eux et on est revenu avec quelque chose et aussi on pourra apprendre avec d'autres jeunes, leur mettre sur la voie pour qu'ils puissent apporter encore plus de prix. Quand on parle du point de vue travail, il n'y a rien qui peut empêcher quelqu'un d'aboutir à un objectif. L'essentiel, c'est de travailler dur, de franchir tous les obstacles qu'il y a devant nous et de ne jamais s'arrêter, toujours continuer jusqu'à ce qu'on arrive à notre objectif. Ministre Éducation nationale et formation professionnelle démissionnaire Pierre-Josué Agenor Cadet dit victoire ça, c'est une preuve qu'il y a un travail qu'a fait dans le système éducatif là. Pour professeur Cadet, deux jeunes saillants doivent un modèle pour encourager leurs jeunes qui viennent pour concentrer au plus sur étudier. Malgré toutes les critiques concernant le système éducatif, il y a un travail qui se fait quelque part. Et ce n'est pas un secret pour personne qu'au collège 4 Pressoir, il y a une éducation de qualité qui se donne. Et comme l'a souligné encore le directeur, donc c'est un travail à dupliquer à travers le pays. Parce qu'aujourd'hui, en 2018, nous avons la grande nécessité d'avoir beaucoup de collèges à la dimension du collège 4 Pressoir en Haïti. Et pour le bien du pays, pour le développement du pays. Nous saisissons cette occasion aussi pour dire que nos jeunes, ça, et Vanessa et Cédric le prouvent, sont très intelligents. Et je le dis souvent, il faut leur apprendre à apprendre. Donc quand ils trouvent de l'encadrement, et c'est le moment pour nous aussi de présenter toutes nos félicitations et aux parents de ces deux jeunes qui ont fait valoir Haïti à l'étranger, et les parents de Cédric, les parents de Vanessa, et surtout et nos compliments au directeur Guy Etienne qui, depuis belle lurette, fait un très bon travail dans le domaine éducatif en Haïti et qui travaille aussi pour lever le niveau de l'éducation en Haïti. C'est deuxième participation pays d'Haïti dans le concours international géosciences ça. Collège 4 Pressoir déjà recevoir invitation pour 13e édition concours IESO 2019 là qui prévoit fête dans le pays Corée du Sud. Merci Falande et Hervé. Dossier éducation responsable Bureau national examen l'État BUNEX dressé lundi 20 août là bilan examen officiel session extraordinaire baccalauréat pour année académique 2017-2018 là. Professeur Ronan Michel expliqué examen yoté déroulé sans gros difficulté. Pour qu'on y a toute disposition déjà prend pour commencer à opération correction yo. Directeur Bureau national examen l'État yo professeur Ronan Michel promet publication résultat yo ap fait avant rentrer l'école là. M'invite à suivre plus explications ni micro Midray Milias ak Hervé Pierre. Déjà vous terminé que tout bail passé très bien. Et que d'après rapport que nous avons de toute direction départementale
et pas de aucun incident grave qui était arrivé. Quelques centres d'examen, par exemple au niveau de la grande danse du centre, là, ils ont ramassé quelques téléphones qui ont été saisis et que nous prenons au niveau du centre. Et après ça, pas un rien regrettable qui passait et capable de perturber les résultats et de perturber le processus d'examen. Toute correction commence dans toute direction départementale. D'après le rapport que nous gagnons de directeur départemental et qu'il y a avancé rapidement et que Nabi Neuf a déjà mobilisé. Nous avons mis trois équipes sur pied au fur et à mesure que Bordeaux de corruption a rentré, et bien a fait saisir pour dans quelle mesure, et bien avant l'ouverture, si nous sommes capables de résultats pour ces sections extraordinaires là, en fonction des départements qui ont nous Bordeaux. Nous avons près de 4000 personnes qui ont participé dans ces sessions extraordinaires là. Et que pour Timo qui n'a pas spécial, seulement c'était 100 seulement qui participaient. Parce que nous avons fait des comptes déjà. Nous disons qu'il y a près de 5058 Timo qui étaient composés. C'était 334 seulement qui nous jouent, qui étaient validables. C'est-à-dire qui répondent à normes, qui répondent à critères. Dans 334, ça veut dire que 276 qui étaient inscrits, c'est-à-dire ces 276 timoun que nous avons figuré nos formulaires d'inscription. Et dans 276, ça veut dire 255 seulement qui ont participé dans l'examen. Il y a 83 pratiquement qui ont réussi. Nous avons 100 qui ont ajourné et 72 qui ont éliminé. Donc, on a approché Bordeaux pour nous faire saisir. Donc après saisir, on va passer dans la phase de troisième correction. Et puis après troisième correction, pour commencer à arriver dans le résultat. Mais le processus là, il n'est pas fini avec correction. Après correction, il faut bien saisir notre qui fait. Bon, malheureusement, il y a un petit problème au niveau de Bordeaux de correction. Parfois, Bordeaux était mal et préparé. Qui a abandonné notre retard. Et c'est cette raison que nous prenons des mesures pour que trois équipes travaillent 24 sur 24, 7 sur 7, mais pour que dans le meilleur délai, eh bien, nous baissions sur ça. L'autre nouvelle, ministère environnement lancé officiellement lundi 20 d'août là, un projet reforestation dans le cadre de conférence bilatérale entre pays d'Haïti et pays Mexique. Dans l'occasion, ambassadeur Mexique là, Hector Manuel Rodriguez, parlait sur ensemble travail pour réaliser dans le cadre caravane changement pour permettre de reboiser 10 000 hectares. Ministre environnement Pierre-Simon Georges, sous bon pal fait qu'on est, projet ça qui coûtait 10 000 dollars américains pour permettre de construire l'autre centre de place forestier et fruitier. En suivant bout dans la déclaration, il y a dans le micro d'Arline Dorival et Hervé Pierre. Le Mexique, en tant que frère d'Haïti, participe à ses efforts pour restaurer son environnement et diminuer les impacts des désastres naturels. C'est justement la raison d'être de ce projet-là qui voudrait augmenter la couverture forestière d'Haïti en reboisant 10 000 hectares. Monsieur, mesdames, c'est notre fraternelle contribution aux objectifs de la caravane du changement. Pour ce qui est de partenariat, cet objectif retient aussi mon attention parce qu'il fait appel à la collaboration et à la coopération mexicaine à la société haïtienne. Ce projet va couvrir les frais de construction de 202 germoplastes forestiers et fruitiers et va également assurer le suivi de fonctionnement, la formation, la mise en terre des plantules, la recherche et d'autres activités y relatives. Sous le haut patronage du président de la République, Son Excellence M. Jovenel Moïse vient de procéder à l'inauguration de ce troisième centre de germoplasme forestier et fruitier à Marfouin dans la Grandance. Le gouvernement veut rattraper de nombreuses années perdues et placer avec les centres de germoplasme et fruitier les reboisements
et la reforestation du pays au cœur de l'agenda de développement d'Haïti et contribuer au projet de société du président, d'organiser le pays en territoire viable, compétitif, porteur de dynamique territoriale durable. Dans la nuit dimanche 19 pour l'ouvrir lundi 20 d'août, moun yo pas arrivé identifié tiré sur rentre chambre député à côté yon parti dans vite la crasé. La police ak la justice te rann yo nan parlement nan kad constat yo côté la police scientifique déjà l'ouvri yon enquête. Certaines agents sécurité parlement te empêché journaliste rentrer dans quelque espace pour te vérifier si la police tap tande quelque agent sécurité parlement qui te programmé pendant incident. Président Sénat Joseph Lambert dit a obtenu résultat enquête là. Yon extrait dans micro Fedner confident ak Moïse Ulbrich. Première réaction nous c'est garder instance qui a expertise dans question ZAM, dans question engin explosif. C'est eux même qui pouvaient garder ça passe. C'est ça que fait au ouest sur place, tu gagne la police scientifique. Nous te gagne tout DCPJ et nous te requis le juge de paix pour lui capable de venir dresser procès verbal de constat ça passé. À ce stade, nous croyons que nous avons les résultats ou bien les conclusions préliminaires de 1 des CPJ et 2 de la police scientifique pour nous capables de faire une déduction logique de ça qui passait effectivement dans cet parlement. Nous ne pas voulons cataloguer ça qui passait à rien. Nous ne voulons pas lier aucune couleur. Nous ne voulons pas lier aucun rien comme qualificatif. Nous ne voulons pas qualifier. Nous avons d'abord résultat enquête préliminaire et résultat ou bien les conclusions de expertise que police scientifique a fait faire et c'est le ça seulement n'a capable faire une déduction. N'a bien pas accepté qu'un vagabond ait fait ici hein, parce que si la presse pas présente ensemble avec nous ici hein, personne ne pas bien informé de ce qui a passé ici hein, ni de l'activité que n'a conduit ici. Hein. Et nous-mêmes si on va avec ça produit sans que nous pouvons gagner personnellement, je n'ai aucune information sur la question. Je choisis dans nos Sénat, dans nos bureaux, pour me présenter nos toutes excuses. Mais ça n'a pas arrêté là. Nous estimons que si tu as gagné un comportement aussi désobligeant vis-à-vis de un membre de la presse, ou bien n'importe qui, monde qui a fréquenté le Parlement, nous allons prendre toutes les dispositions approprié et puis pour que nous sévissions contre l'agence ça avec la plus grande rigueur. Bureau Sénat remet officiellement lundi 20 d'août la 13 pièce. Premier ministre nommé à Jean-Henri Seyan by membre commission et spécial Sénat qui chargé pour analyser dossier yo. Président Sénat Joseph Lambert fait qu'on est, y a tant de pièces, tout ministre et secrétaire d'État qui a bien pour faire partie prochain gouvernement pour analyser yo, même Jean avec premier ministre là. Commission et spécial la gagne en tête, li sénateur au nom de lui, président. Dieu donne l'humain, Étienne, secrétaire rapporteur. D'après président Sénat Joseph Lambert qui était dans le micro, Fedner confident avec Moïse Rich. Règlement intérieur nous dit nous qui gens pour nous former commission spéciale qui appelait à analyser pièces à la fois premier ministre et en même temps tout ministre pour nous capables d'inviter premier ministre venir faire déclaration politique générale. Commission ça était formée et nous t'ai assuré nous que le reflété Jean règlement intérieur nous dit nous les différentes tendances politiques qui gagnent en dans assemblée son commission de 7 membres dont un membre ou bien un groupe ou bien une tendance qui pas un groupe qui pas formel mais une tendance qui entre dans le Sénat. Eh bien, tu choisi, yo-même, par voir la presse, dit que yo pas entendre participer. Ce qui pas déranger en rien. 6 membres, qui forment commission, dont 4 ensemble avec nous là, et plus particulièrement le président
de commission ça que yo élu en la commission à la personne du sénateur au nom Dieu Louis, eh bien yo t'ai écrit nous tout pour yo t'ai metté nous au courant de travail que yo fait dans niveau par yo commission hein, et côté yo t'ai élu bureau qui appelé à conduire question dans niveau commission spéciale. Et yo t'ai dans même lettre ça yo t'ai demandé nous tout pour que nous t'ai voyé metté à la disposition yo tout dossier pour les ministres qui ont été déposés ici. C'est ainsi que je dis formellement devant la presse, eh bien, nous avons fait remise officielle tout dossier, généralement quelconque, que le Premier ministre choisit ou bien jugé qui est important pour lui, chaque constitution en dit lui, pour lui remettre par la commission. Commission lui-même doit gagner pour analyser toute pièce ça yo et commission gagner pour lui produire rapport lui et commission tout attend avec impatience dossier tout ministre tout qui va constituer cabinet ministériel des ministres des secrétaires d'état si secrétaires d'état il y en aura et nous va transférer même genre nous fait là tout dossier ça autour par commission hein? Et c'est commission hein, qui en final est capable d'autoriser bureau hein, sur la base de analyse et conclusion que tiré de tout dossier qui est en possession yo, pour inviter premier ministre pour demander bureau inviter premier ministre venir faire déclaration politique générale. Premier ministre démissionnaire, Dr. Jacques-Guy Lafontaine, en tête délégation Conseil supérieur police nationale, a réalisé une visite hier dimanche dans la commune Belader. Visite a fait quelques jours après l'armée dominicaine a attaqué zone frontière ça. Côté plusieurs haïtiens tapent en balle, un comportement qui soulevait colère autorité haïtienne. Nous invitons à suivre un reportage Anne-Marguerite Auguste avec Hervé Pierre. Visite ça, c'est pour permettre délégation au Conseil supérieur police nationale là, constater des gaillots, et puis informer sur qui ça, qui t'a à la base attaque militaire dominicaine sur haïtien yo. Premier ministre démissionnaire, Jacques-Guy Lafontaine, annonçait qu'il prend le travail pour prendre une série de mesures pour empêcher action ça yo répéter. C'est que situation retourne dans le calme. Et le sous contrôle. Le sous contrôle, n'a demandé population pour le kembe calme, continuer kembe calme, pendant que nous-mêmes, comme autorité, pour nous continuer, n'est-ce pas vrai, avec toute une série de mesures pour nous stabiliser la situation, côté que, jeudi en même, le ministre des Affaires étrangères, là, il convoquait l'ambassadeur dominicain pour le cas partager des informations avec elle et fixer la position du gouvernement haïtien. Chef gouvernement démissionnaire a annoncé qu'il pourra mettre en place une commission interministérielle capable pour analyser information joignio et puis continuer à enquêter sur situation pour capable gagner vraie données sur ça qui est la cause attaque ça. Nous pourrons aller, n'est-ce pas vrai, mettre en branle une commission interministérielle qui pourra aller, n'est-ce pas vrai, faire une synthèse de toute information que nous recueillons aujourd'hui après traitement et pour nous prendre des mesures parce que nous connaissons que il y a des problèmes sérieux au niveau de la frontière, notamment au niveau de la ville de Belader. Mais toute train de mesures, ça a intéressé toutes communes, 16 communes qui gagnent au niveau de la bande frontalière et nous portons attention plus spéciale au niveau de 4 grandes villes, à savoir Wanamet, Belader, Ansapit et puis Malpass. Président Conseil supérieur police nationale a annoncé une série de dispositions pour renforcer la sécurité dans la zone frontalière, pour empêcher répétition de mais tout pour lutter contre la contrebande et le trafic illicite qui a fait sur la frontière. Nous parlons de Chitatou au niveau du CSPN avec l'autorité policière yo, pour nous capables de renforcer la sécurité. Sécurité nous pour nous protéger la population parce que nous connaissons que la devise la police c'est protéger et servir. La place non seulement pour combattre la contrebande, mais tout pour protéger la population. Mais la population, tout, nous avons demandé la population pour le capable, n'est-ce pas vrai, les gens qui ont des âmes dans la population pour déposer des âmes, remettre des âmes à la police, côté que nous avons des actes de brigandage.
marchandage, côté que nous gagnons contrebande, nous gagnons trafic d'armes, trafic de drogue qui a fait au niveau de Ville Belader et notamment au niveau d'autres villes frontalières. Et nous connaissons que l'État prend responsabilité, quel que soit le monde qui est impliqué dans le SAO, l'État prend responsabilité. Nous avons rappelé que ce n'est pas la première fois que les militaires dominicains ont fait attaque SAO sur Haïtiens qui vivent dans la zone frontalière ou soit qui ont mené activité commerciale. Le gouvernement haïtien dit qu'il a pris disposition pour renforcer la zone frontalière pendant qu'il travaille pour harmoniser les relations entre deux peuples. N'après un coup de pause dans le journal là, restez branché, n'ap tourné. Dans la page internationale, là, politiciens, diplomates, destinataires, c'est quelques parmi professionnels dans le pays la Suisse qui rendent hommage dimanche passé à l'ancien secrétaire général ONI, Kofi Annan, qui mourit à 80 l'année. Relations amicales avec la République helvétique ont démarré dans le commencement de l'année 1960 pendant que recevoir un diplôme dans l'Université de Genève. C'est dans la ville ça que Kofi Annan a rencontré deuxième madame Linnéne Légergren, un avocat suédoise qui tape travail pour ONI. D'après un tweet, président Confédération Suisse, Alain Berst, Genève International, perdit un potorique garçon avec la mort de Kofi Annan. Chef ONI dans la ville de Genève, Michel Moller, beaucoup c'est pas le fait qu'on est. L'humanité perdit une voie morale importante. Pendant le continuer pour le fait qu'on est, lui perdit un mentor, un ami qui représentait pour lui un modèle. Dans le sport, Coupe du Monde des moins de 20 ans féminine, Japon et Espagne, c'est des équipes qui qualifiaient pour la grande finale compétition ça, qui pourra dérouler vendredi 24 août 2018. Là. À l'étranger, championnat d'Angleterre, deuxième victoire après deux journées pour l'équipe Liverpool, là, qui saute battre Crystal Palace 2-0, hier lundi pour clôturer deuxième journée championnat d'Angleterre. Là. Et c'est sur notre salle, amis téléspectateurs, nous mettons en bout dans la deuxième sortie journal mi-temps journée pour semaine ça. Nous te prenons pile plaisir pour informer. Nous invitons à rester branchés TNH pour suivre la programmation. Bon après-midi tout le monde.